Oh, vraiment, vous me sentez pour l'émission de l'émission. Je réponds non d'Aïcha Pang, votre journaliste. Oh, Amisa, pour le bureau de la ville. Bye, oh, et les Kalambou, Kalambou, sur RBC. Ah, ouais, j'espère que tout ça, ma première émission doit dire l'indicat de notre président président a prometté qu'il soit à cause de toujours là pour satisfaire ma présence de l'émission. Aza, toujours là pour satisfaire ma présence. Et puis, thank you.
Bonjour papa. Oui, bonjour. Pourquoi vous savez ce combo là? Comment on a son nom qui a son nom à Moussa, dans la présence cellulaire pour les comptes à IDP Tshisekedi. Je suis présent cellulaire à cellule Petit Petit Nangiri, section Nangiri, Fédération Afuna. Ah, merci beaucoup. Nous voulons bien savoir ici nous sommes où, dans la précision de cet endroit, de ces milliers. Nous sommes sur avenue Luanza qui sépare la commune de Kalamu et Makala. Voilà. Ok. Et nous voulons voir vos impressions par rapport à ce qui se fait sur cette route. Comment vous pouvez parler sur ce qui se fait ici? Alors, nous remercions les chefs de l'État par rapport à cette réalisation. Mm-hmm. Ça, c'était une rue. C'était une rue. Mais maintenant, ça devient une avenue. Une avenue. On est en train de construire cette avenue. Ça vient, ça commence sur Elingessa vers avenue Université. De l'autre côté, c'est Kikwiti. Non. Ici, c'est la Luanza. Si vous traversez la rivière, ça, on appelle ça Kikwiti. Donc, c'est une avenue qu'on est en train de construire. Donc, ici, c'était peut-être que j'ai dit déjà au début, c'était une rue. Mais maintenant, là, comme on est en train de construire, on appelle ça maintenant une avenue. Une avenue Luanza qui sépare la commune de Kalamu et Makala. Bon, par rapport à cela, est-ce que vous pouvez avoir l'image de cette avenue, non plutôt de cette, ce n'est plus encore une rue, bon, de cette avenue disons, et vous avez un peu l'image de cette avenue comme c'était auparavant? Non, auparavant comme je vous ai dit au début, c'était une rue, okay. Méconnaissable. Quelle différence entière entre une rue et une route? Non, la rue, okay. c'est 6 mètres, voilà. L'avenue c'est 9-12 mètres, l'avenue. Mm-hmm. Soit on appelle l'avenue, soit boulevard. Ça ressemble à un boulevard. Vraiment. Ça ressemble à un boulevard, Luanza, qui sépare la commune de Kalamu et Makala. Voilà la différence. La rue, c'est une petite. L'avenue, c'est une grande avenue. Hein, donc, là où il y a la visibilité, l'attraction, les passages des gens, le passage des véhicules, tout et tout. Donc, lorsqu'on va inaugurer cette avenue qui sépare la commune de Kalamu et Makala, les gens constateront que non, en tout cas, le chef de l'État est en train de réaliser des choses ici dans la province de Kinshasa et puis à travers la République démocratique du Congo. Voilà. Donc, je peux dire que les conditions qui est maintenant et de la fois dernière, ce n'est pas les mêmes. Non, je vous ai dit, c'est une construction, monsieur de la presse. Là, c'est une construction. On est en train de construire. Là, l'avenir est déjà fini. On est en train de terminer les tranchées, ça et là. Hein, avec les ponts là, nous tendons vers la fin. En tout cas, dans 2 mois, on va inaugurer cette avenue. Parce que les ponts déjà de l'Afrique, c'est déjà fini. Donc, on attend que la finition de ces ponts, de cet ouvrage, pour que les chefs de l'État puissent venir inaugurer cette avenue. Bon, en ce qui concerne les conditions de ces travaux, ou bien par rapport aux gens qui sont tentés de le faire, ils sont tentés de travailler d'une manière professionnelle ou un peu Non, pour la société Safrimex, ils sont en train de travailler d'une manière professionnelle. En tout cas, de ce côté-là. D'ailleurs, moi, je demande au ministre des ITP, si possibilité il y a, qu'on leur encore accorde d'autres marchés, puisqu'ils ont des matériels, ils sont ici à Makala et Kalamu, mais à Ngiringi, il y a aussi des chantiers qui sont là. Ils sont en train de travailler sur l'avenue, Birmanie. Donc, Birmanie, ça prend de l'avenue Victoire jusqu'à l'avenue Manifeste. Donc, cette entreprise, ils sont vraiment à pied d'œuvre. Ils sont dans une vitesse de croisière. Donc, l'avenue, c'était une rue. Maintenant que ça devient une avenue, les gens constateront que non, après l'inauguration de cette avenue, les 2 communes ici seront vraiment beaucoup il y aura la visite des gens qui viendront acheter des parcelles, ça et là, tout et tout.